Monsieur le préfet, monsieur le préfet de police, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les autorités religieuses, civiles, militaires, chers enfants, chers élèves. En tant que président du CRIF Marseille-Provence, institution partenaire de l'État, dans cette journée de réflexion sur les génocides reconnus, je me réjouis de participer à cette commémoration. En décidant de l'instituer comme journée de prévention de crimes contre l'humanité, les ministres européens de l'éducation soulignent, à juste titre, la nécessité de lutter contre l'oubli. Car si l'oubli peut être salutaire, curatif, le nécessaire travail de mémoire s'agissant des génocides implique de ne pas séparer le monde des morts du monde des vivants. En effet, d'aussi loin qu'ils se souviennent, l'homme a pensé, pensé sa vie, pensé sa mort, pensé ses besoins et ses désirs. Penser à sa vie collective et à son destin individuel. De ce fait, il est naturellement l'un des maillons de la chaîne des générations dont il est solidaire, ne serait-ce que par sa nature humaine. C'est pourquoi l'homme, porté par sa bonté intrinsèque, doit extirper en lui son inclination au mal et pallier son manque de connaissances par la culture. L'histoire nous enseigne que toutes les époques ont connu la barbarie et le passé de l'humanité, si loin qu'il est possible de remonter, est ponctué par d'abominables images de violence, de massacres, de déportations de populations. Comme vous le savez, ce sont des juristes qui, à Londres, après la guerre, ont défini le génocide comme l'extermination, l'assassinat ou les déportations pour des motifs raciaux, politiques et religieux et dont la conséquence juridique est d'être imprescriptible. Sans doute fallait-il aboutir à cela, une façon pour le monde civilisé de récapituler ses idées et ses valeurs humanistes. Pour autant, se pose une question simple mais incontournable. Comment peut-on, en tant qu'homme, c'est-à-dire doté d'intelligence et de raison, porter le mal au point de mépriser son semblable jusqu'à le haïr et le tuer? Est-il seulement concevable d'éliminer quelqu'un parce qu'il est différent? Différent par ses origines, par sa religion, par la couleur de sa peau, par ses convictions politiques ou philosophiques? Or, c'est parce qu'il a été considéré comme différent, donc dangereux, supposé mettre en danger l'ordre établi, qu'un 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés en 1915, que les nazis ont conçu, planifié, finalisé la mise à mort méthodique de 6 millions de juifs, qu'au Cambodge, le régime Khmer Rouge a exterminé plus de 3 millions de personnes. Et le dernier en date de ces crimes est celui du Rwanda en avril 1994, où 800 000 innocents, pour la plupart éleveurs de bétail et paysans, ont été sauvagement tués à coups de machette. À cette liste tragiquement insoutenable s'ajoute une autre abomination, le massacre de Srebrenica en juillet 1995, 8 000 musulmans bosniaques, adultes et enfants, éliminés en quelques jours par les Serbes de Bosnie-Herzégovine et dont le caractère génocidaire a été reconnu par la justice internationale. Je ne m'étendrai pas davantage. Le seul fait d'énoncer de telles barbaries soulève le cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, plus jamais ça. Et j'ajoute que la société civile contemporaine est ordonnée à une fin, la paix. Une paix à laquelle nous aspirons sincèrement. Une paix que chacun,
est capable de sauvegarder, de conforter avec l'aide d'autrui. En lui donnant amicalement la main, étant donné que nous avons tous besoin de nous rassembler, de vivre ensemble pour vaincre l'intolérance et le fanatisme, en prônant la solidarité et la fraternité sincère. C'est cela à quoi œuvre le CRIF Marseille-Provence, et vous pouvez croire que je serai l'inlassable artisan de cette légitime aspiration. En cette période du souvenir, le constat est que le racisme et l'antisémitisme n'ont pas disparu. La résurgence de ces fléaux est effective. Au nom de qui et de quoi ces apôtres de l'ignominie nous imposeront leurs idées malfaisantes. Leurs desseins maléfiques sont les sources des conflits à travers le monde, à travers l'univers. Leur haine est bâtie sur des fantasmes pernicieux. S'élever, se révolter contre ces postures sont pour nous une condition vitale pour la préservation de la paix et de la coexistence entre tous. Combattre cette idéologie, c'est aussi se souvenir. La période est propice. Rappelons-nous que le 21 janvier 2006 était enlevé et séquestré Ilan Halimi, la seule raison étant son appartenance au peuple juif. Notre peuple a traversé bien des époques. Son origine est séculaire. Et pourtant, après des pogroms, des exactions, un génocide, nul n'a pu en venir à bout. Alors à tous ceux qui sont dans le déni, le négationnisme, la réécriture de l'histoire, vos allégations sont seulement l'expression d'un vide sidéral. Je vous remercie.